championnat donne une bonne prévision. Alors la prochaine sortie contre Lyon blessé. Parce que tu ne peux pas recevoir ce bois. Et c'est toi qui fais des problèmes. Voilà. C'est là une autre paire de manches. Et nous pensons que les erreurs d'aujourd'hui, nous allons les corriger. Pour que nous puissions nous en sortir facilement. Voilà. Oui, c'est vrai, je suis déçu dans la mesure où la première mi-temps était équilibrée. La deuxième mi-temps, je crois qu'à la 75e minute, j'ai eu le break. Le break que je n'ai pas marqué, c'est ça qui allait rentrer de tout se rentrer. Moi, vraiment, je suis déçu. Mais on va prendre ça comme un match et on va continuer à travailler. Mais sincèrement, je suis déçu par rapport au fait qu'on aurait dû marquer les premiers. Vraiment un break, comme je le dis, on n'a pas pu. Un contre-gardien, même Couchon, n'a pas marqué. Je suis déçu par rapport à la situation. Mais c'est le football, on prend ça comme ça. Il y a des jours sans, aujourd'hui, ça n'a pas marché. Mais le par a gagné, bravo pour le par et la Bastène, allons continuer à travailler. Oui, la prochaine rencontre, certes, c'est Bambuto, c'est un match aussi difficile. Nous, on avait pensé qu'au jour d'aujourd'hui, on serait à 10 points. Tel qu'on venait, c'était pour un hold-up. Prendre les 3 points et aller à 10 points. Mais on n'a pas pu. C'est vrai, nous restons à 7. On a l'obligation de prendre dimanche pour finir la phase à aller tout au moins avec 10 points.